Bonjour Hélène, semaine 41, nous sommes dimanche 30 juillet. Alors, j'ai pas pu faire la vidéo vendredi puisque j'étais aux fêtes de Bayonne. Ouais! 5 ans, 5 putains d'années que je n'avais pas fait. Alors, beaucoup de choses ont changé, hein, mais bon, ça, pour ceux qui suivent les fêtes de Bayonne, ça sera logique. Pour ceux qui ne le faites pas, ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais été, ou qui sont allés, mais il y a des années, beaucoup plus, ils sont allés il y a des années, ils se rappellent les verres en plastique par terre, la pisse, le reste et compagnie. Bon appétit. Donc, j'y suis allée, donc la semaine normale, je devais aller, donc j'avais le blabla quand vous m'avez vu avec la nouvelle couleur, donc mon patron m'avait dit donc qu'on allait manger à Point P, mais en fin de compte, il a changé d'avis. Et attention, je suis sa secrétaire. Alors, je dis ça, mais alors j'essaie de me convaincre, mais je les avais comme ça. Mais paradoxalement, je m'étais inscrite au repas du boulot de l'après-midi à DN. Donc j'y suis allée et c'était très bien. J'ai fini, je suis rentrée chez moi, il devait être 8h30 du soir. Hein, attention, oh là là, parce que j'ai quand même un parking à payer. J'en ai eu pour 9 euros hein, quand même de parking. Hein. Normalement, c'est un parking à 1 euro la journée. Là, c'était 1 euro l'heure. Pas con, hein. Bon voilà, donc très très bien mangé. J'ai mangé deux choulettes, non, c'est pas bien. Je me suis vue là à l'instant sur des vidéos qui ont été partagées par le boulot. Ouais, j'ai un peu grossi quand même par rapport à l'année dernière. Donc je pense qu'au mois d'août, on va peut-être reprendre le sport. Donc voilà, et je suis assez contente d'avoir passé une très bonne journée avec des gens très sympas. Voilà, et je suis très contente. Donc, bah, c'est la grande nouvelle de la semaine. Hein. Voilà, je suis avec quelqu'un avec qui on va pas me pas en parler, j'ai même pas envie d'en parler. Voilà, et voilà. Donc, à part les fêtes de Bayonne, pas grand-chose. J'ai reçu une Airbnb une australienne, elle vient de partir, elle m'a pris des mains tous les jours. Elle a 19 ans, hein. Ma fille, elle a 19 ans, je suis sa mère, je vais lui dire, ok, bon, un bain par semaine, mais le reste des douches, merci. Ma fille, voilà. Mais bon, pour l'instant, on a le temps, on a encore 12 ans. Voilà. Ben, j'ai travaillé, j'ai fait un rendez-vous cette semaine, c'est très très calme. Au niveau du boulot de matin, j'ai un petit souci avec les congés payés. Il faut que je le règle. J'arrive pas. Alors, j'ai essayé d'appeler. Je l'ai fait. Preuve à l'appui parce que j'avais mon portable Bordeaux pour pouvoir gérer les congés payés. C'est un peu la mamade. Voilà. Oh, j'ai pris du poids. Je bois du Cheps. Non, mais il n'y a pas de sucre. Voilà. Aujourd'hui, je reçois un Airbnb. Mais alors, je ne sais pas à quelle heure elle débarque. Je sais pas si c'est la voiture. Je ne sais rien. Mais de rien, je sais rien. En tout cas, non, une semaine tout à fait normale. Hein. Je suis rentrée quasiment tous les jours, quasiment tous les après-midi, puisque de toute façon, c'était infernal. Bayonne, c'est infernal. Moi, je suis allée mercredi, j'ai trouvé de la place, toujours parking payant. Voilà, je suis restée 1 heure. Tout compris, je suis restée 1 heure. Pas bien. Voilà, non mais je veux dire, après-midi, alors déjà on me regardait la tête en pied parce que j'étais pas habillée en rouge et blanc. Déjà, un, les fêtes n'étaient pas commencées. Et deux, ceux qui me regardaient, c'est ceux qui avaient le foulard autour du cou. Non, non, c'est 22h, c'est pas 1h de l'après-midi, les fêtes. Bon, voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai bossé et voilà, je me suis fait la couleur en arrivant et vous avez vu la vidéo. Ben, après, aujourd'hui, nous sommes le 290e jour de mon célibat. Oui, on va considérer que je suis célibataire. Hein. Je pense que, il faut arrêter de dire que je fais des efforts. Oui, je fais des efforts. Je pense peut-être pas assez, mais bon, enfin, bon, bref. C'est bon, se suspendre un compte sur Mythique, ça ne veut pas dire je veux sortir avec toi tout le reste de ma vie. Ça veut dire je suis honnête et je ne fais pas d'autres rendez-vous. Voilà, c'est pas être légitime par rapport à quelqu'un, ça va être honnête. J'ai dit à quelqu'un qui me draguillait, je suis écoute, je suis honnête, j'ai rencontré quelqu'un, je ne suis pas mon compte.
Si ça fonctionne pas, je reviens. Attendez 2 secondes. Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Je vais hop, bouger un peu la caméra parce que là, je suis en train de tenir le fil pour charger le portable. J'ai pas un problème avec le portable, j'ai un problème avec les chargeurs. Bon, bref. Ben, je vais faire les vidéos. Je vais peut-être faire. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? J'ai dit, tiens, il faut que je la fasse. Ah oui, j'ai reçu un sac parce que je suis inscrite sur un site. Enfin, bon, bref. Bon, c'est pas que je suis déçue. Non, c'est surtout le fait de. Et, ben, vous verrez. Je vais le faire juste après. Ben, c'est tout, quoi. Après, je vais faire les produits finis mardi matin. Mardi après-midi, si elle n'est pas là, le Airbnb, parce qu'elle reste 15 jours. Là, le produit fini. Je vais peut-être faire les produits finis alimentaires, mais bon, je vais peut-être attendre encore un peu, parce que même si j'en ai quelques trucs, c'est pas, je ne vais pas non plus faire ça toutes les semaines. Voilà, soit ça dure 3 plombes et c'est super cracra, soit j'en fais toutes les semaines et les gens vont se lasser. Bon, de toute façon, voilà, je ne fais pas grand-chose de plus. Voilà. Après, vous avez vu sur ma chaîne des aperçus des fêtes de Bayonne. Alors, et encore, il n'y a pas beaucoup de monde. Je trouve que pour un vendredi, journée des entreprises et des célibataires, il n'y avait pas grand monde. C'est pas ce que c'est pas les fêtes bon marché, les fêtes de Bayonne, hein, c'est assez cher. Je remercierai jamais assez mon patron de nous avoir payé le repas, mais voilà, c'est les fêtes, ça coûte 30 euros. Ouais, non, mais c'était très bon. Attention. C'était très bon, j'ai pris 2 fois de la choulette, côte de bœuf. Voilà, un bon trousse. J'aime la viande. J'aime la viande. Et quand j'ai l'occasion d'en manger une bonne, la première était très bonne. Donc j'ai dit, tiens, je vais prendre une deuxième. Mais j'ai quand même eu du mal à finir la deuxième. J'ai pas aimé du tout le même Rio, c'est la pâte de coin qu'on mange avec du fromage de chèvre. Pas du tout aimé. On pouvait taper dans le merlu parce qu'on avait le choix entre la viande ou le poisson. Le merlu était trop rayé pour moi. On ne sait jamais si moi je roule à quelqu'un. Ce que j'avais prévu de faire. Voilà. Bon, alors, voilà, je ne suis pas mariée avec la personne. La personne avec qui je sors en ce moment n'est pas très motivée non plus. C'est pas grave, je me dis c'est pas le bon. Donc, c'est pas grave, je ne vais pas courir après. Hein, comme par hasard, il est tombé malade. C'est pour ça que j'ai fait une aparté sur Facebook. On ne peut pas faire les fêtes jusqu'à 5 h et être en forme. Il est tombé malade. Il a pris froid. Voilà, le pauvre, ça y est, mais bon, l'air, ça va, imagine que tu as un être humain qui sort de la bite, hein. Voilà, moi j'en ai, c'est pas que je veux pas m'occuper d'un mec, de toute façon je m'occupe pas de lui, il habite un peu, enfin il habite de l'autre côté de Bayonne, on va dire, voilà, donc si tu veux, si tu veux, hein, toi public, voilà, donc, ouais, je sais pas, je pense pas que ça soit l'homme de ma vie par mes enfants, c'est juste une expression. Voilà, là j'étais bien, j'étais avec des gens agréables, je me suis amusée. Et heureusement que j'étais pas avec. Enfin, c'est pas que j'étais avec quelqu'un, ça m'aurait empêché de m'amuser, mais vous me connaissez. Je peux pas m'empêcher de. Voilà, après, ça reste les fêtes de Bayonne. Et voilà, je suis rentrée chez moi toute seule, 8 h 30, je me suis couchée devait être 10 h. Le temps d'émerger, de prendre une douche parce que là, il fallait. Les chaussures, je les avais hier parce qu'elles étaient mortes. J'avais les Adidas, heureusement. J'avais les Adidas, heureusement. J'avais pas d'autres chaussures. Bon, déjà parce que j'ai dû me racheter une tenue, parce que comme mon patron m'a dit non, j'ai laissé les tenues à la maison. Et ma copine, tu vois, bon, je vais acheter une tenue, ça m'a coûté 34 euros. Je pense que c'est le Bermuda qui m'a coûté le plus cher. Le t-shirt, les accessoires, pas grand-chose. Voilà. Voilà. Bon, mais c'était tout. Je vais faire la revue du sac que j'ai reçu. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. C'était la semaine 41, plus que 11 semaines avant la semaine du 14 octobre. Ouais, justement, je fais un nouveau compte à rebours jusqu'au 12 novembre 2018. Donc, 23 juin 2017 au 12 novembre 2018, ça fait 508 jours. L'équivalent de ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, et là, ça me concède et je pense que j'aurai toujours personne. C'est pas grave. Voilà, je commence à m'apercevoir que ça sert à rien de forcer le destin. Puisque quand ça veut pas, ça veut pas.
Et voilà. Bon, ben, je vous fais de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Là, normalement, ben ouais, je ferai, je pense, j'arriverai tôt le matin. Je vais voir si j'ai du monde à côté de moi, le boulot du matin. Et après, on verra si je vous fais la semaine 42, qui sera la semaine du mariage de ma copine. Et je pars le vendredi à midi. Sauf impondérable, je pars vendredi à midi. De toute façon, je peux arriver quand je veux. Mais j'aurais voulu passer à l'action, faire deux, trois petites courses, parce que j'ai un tout petit peu de chouchas. Et il faut que je fasse plein de choses. Allez, c'est bon. 10 minutes 41 pour rien dire. Je vous dis à la semaine prochaine.